Ma première question serait un petit peu d'ordre général. Comment, au niveau de la Banque centrale de la Mauritanie, vous avez pensé la stratégie digitale, de transformation digitale? Alors, à la Banque centrale de Mauritanie, nous avons été conscients et convaincus de l'importance de la digitalisation de toute l'économie, mais surtout du secteur financier, vu l'impact positif et sur les institutions financières, mais également et surtout sur les consommateurs et les usagers des services financiers. Nous avons ainsi intégré cette conception au cœur de notre stratégie. Surtout en termes d'inclusion financière, car comme vous le savez, la digitalisation des services financiers permettrait inéluctablement de renforcer l'inclusion financière et de faire accéder plus de citoyens qui étaient exclus des services financiers classiques. Aussi, en termes de modernisation des moyens de paiement, nous avons cette ambition des cashless, de réduire progressivement l'usage du cash, et les nouvelles technologies sont un moyen, surtout les technologies de rupture, offrent des alternatives extraordinaires qui permettent progressivement de réduire la part du cash dans le marché. Donc, pour ces raisons, entre autres, je ne parle pas des aspects purement organisationnels internes à la Banque centrale qui ont fait l'objet d'une digitalisation accrue. Tous ces facteurs ont fait que la digitalisation des secteurs financiers et des services financiers et ce processus de transformation digitale se trouvent au cœur de la stratégie et de la vision de la Banque centrale de Mauritanie. Vous avez parlé de l'inclusion financière. Comment est-ce que la digitalisation pourrait justement être au service de l'inclusion financière? Comme vous le savez, la Mauritanie, comme la plupart des pays africains, mais notamment la Mauritanie, vit sa superficie qui dépasse le 1 million de kilomètres carrés et l'éparpillement des populations sur un territoire extrêmement vaste fait que ceci a constitué un challenge pour les institutions financières classiques pour pouvoir s'implanter partout, ce qui a eu un impact sur les taux de bancarisation, sur l'accès aux services financiers. Les nouveaux services basés sur la digitalisation, notamment tout ce qui est basé sur mobile payment, tout ce qui est mobile banking, tout ce qui est e-payment, avec un accès accru au mobile aussi, que nous avons actuellement. Le taux d'accès au mobile dépasse les 100% en Mauritanie. Donc, du coup, c'est une opportunité extraordinaire pour pouvoir faire accéder des personnes qui étaient initialement exclues de ces services financiers à travers la digitalisation, leur permettant de faire des opérations de paiement, bien sûr digitaux, mais aussi des opérations de transfert d'argent, et pourquoi pas des opérations de crédit et d'investissement à terme. Vous avez, on va dire, osé l'approche FinTech Challenge. Comment est-ce que vous avez réussi à intégrer cette approche et comment vous l'avez lancée, mis en œuvre et réussi? Alors, contrairement à ce qui s'est dit ou ce que peuvent penser certains, que les banques centrales sont en général très conservatrices et qui freinent l'innovation, nous, contrairement à cette idée, nous avons été pionniers pour pousser le secteur financier mauritanien, pour booster la place financière mauritanienne, pour aller vers cette digitalisation accrue et cette intégration des technologies de rupture, notamment à travers les fintechs. Le challenge dont vous parlez, le BCM FinTech Challenge, était une initiative qui était là où on est un peu pionnier parce que nous sommes la seule banque centrale dans la région qui a osé, ou la première en tout cas. C'était une occasion pour nous d'encourager l'innovation, surtout des jeunes Mauritaniens, en leur proposant un dispositif qui permet d'accompagner leurs idées novatrices basées sur les blockchains, basées sur l'intelligence artificielle, etc., au service de la finance. Donc le challenge a permis de découvrir, et nous avons été largement surpris par le niveau de participation. Nous avons eu plus de 110 candidatures de Mauritaniens, résidents en Mauritanie ou à l'étranger, et qui ont, ce qui a démontré un intérêt grandissant, mais aussi la disponibilité de solutions digitales pour répondre aux enjeux et aux challenges du secteur financier. Donc ça a été un processus extraordinaire.
qui ne s'est pas réduit seulement à l'organisation des challenges et à primer quelques lauréats, mais surtout c'est le processus qui était intéressant, car nous avons contrairement à ce que d'autres peuvent penser aussi, que les banques sont réfractaires à tout ce qui est concurrence des fintechs, etc. Nous avons réussi à mettre autour de la même table tous les acteurs de l'écosystème naissant des fintechs. Il y avait les banques, il y avait les institutions de microfinance, mais il y avait aussi le secteur public, le secteur privé. Et nous avons réussi à mettre autour de la même table tous ces acteurs comme partenaires du challenge de la Banque centrale. Ceci a permis de constituer un cadre de concertation, de dialogue, de discussion entre ces différents acteurs afin de poursuivre cet objectif commun qui est celui de l'éclosion des fintechs. Et comme vous le savez, l'éclosion des fintechs aura inéluctablement un impact considérable sur la place financière mauritanienne et au-delà.